Connaissez-vous les cadavres exquis? Sur cette feuille, je vais créer une tronche exquise. L'idée, c'est de partir d'une base de visage et de choisir l'aspect de chaque partie. Par exemple, pour la bouche, si vous me proposez Bob l'éponge, ça donnerait de bonnes joues, un sourire bien niais avec un double chicot apparent. Ou encore Pinocchio pour le nez, c'est un exercice très amusant de mélanger des traits de visage connus comme ça. Pour les yeux, ça sera Saitama. Cette tronche a l'air vraiment intelligente pour l'instant. Les oreilles de Shrek, bon, on va pas arranger son cas avec ça, ça lui fait plein d'extrémités longues, et le crâne de Aang dans Avatar, un charisme exceptionnel. La tronche esquisse n'est pas finie. Pour la faire vivre, petit ancrage et petite couleur, il faut qu'il soit sur son plus beau jour. A partir de maintenant, c'est vous qui prenez les commandes, vous allez décider de chaque partie de ma prochaine tronche. Par exemple, les cheveux de Marge Simpson. Ça peut être des personnages de dessin animé, ou des personnalités connues, voire des descriptions que vous choisissez. J'ajoute quelques détails sur mon personnage, des petites hachures pour l'effet de style, de la lumière. Le résultat va être flippant, je pense. Bon, si ça vous plaît, on en fera une expo. Et vu du ciel, ça donne ça.